vieux. Est-ce que vous avez fait un morceau de finki, papa? Oui, mon ami, vous avez fait un morceau de vieux. Vous avez fait un morceau de vieux. Vous avez fait un finki, mais est-ce que vous avez fait un individu? Vieux. Je suis un homme. Je suis un finga, finga. Ah, je suis un homme. Excusez-moi si vous êtes de sa famille. Excusez-moi si vous êtes de sa famille. Mais je n'ai rien contre vous. Mais je dois parler. Et il m'a parlé de Wemba. Wemba. Pas l'homme, mais un esprit était derrière Wemba. Pas l'homme, mais un esprit était derrière Wemba. Cet esprit qui a fait de nous, les Congolais, des sapeurs. Des gens qui s'habillent à 10 000 dollars, mais n'ont rien dans le compte en banque. Des gens qui vont dévaliser des boutiques, mais ils n'ont même pas 10 dollars en banque. Des gens qui préfèrent s'habiller comme des riches alors qu'ils sont pauvres. Des gens qui sont dans la superficialité, l'apparence. On va me voir, on va me regarder. Pendant que des milliardaires s'habillent en jean, en polo, nous, on s'habille comme des millionnaires, mais des pauvres. Achetant des voitures, mais tu n'as même pas où les garer, ni de carburant. Et ont des iPhones de 1000 dollars alors qu'il n'a rien du tout. L'apparence, et l'apparence, et l'apparence. Et marcher comme ça, et marcher comme ça. Mais tu n'es pas infirme, mais comment on marche? Comme des... Que Dieu te libère de cet esprit qui était derrière ce roi. Ce roi, oui.